la vie de Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien, jamais pas. Quand Dieu veut parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Sa main pour voir à qui en besoin, c'est bon de souper avec lui tout le temps. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu es fêté à Satan. Nous devons parler à ton peuple. Sois avec nous, Seigneur. Révèle-nous ta parole. Donne-nous l'inspiration. Dispose chaque âme à recevoir quelque chose de ta part. Merci Seigneur Jésus. Le temps est arrivé où nous voulons ouvrir les Saintes Écritures et apporter ta parole à ton peuple. Envoie-nous ton onction, Seigneur. Donne l'entendement à tes enfants. Circoncis mes lèvres. Circoncis l'entendement de chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions saisir la vision sur les investissements que chacun de nous doit faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire trois passages rapidement. Ce sont de longues lectures, de longs passages. Déjà par ces passages, vous pouvez déjà voir l'idée de la leçon. Peut-être je peux lire seul rapidement. D'abord, dans Marc chapitre 10, du 17e au 31e verset. Nous lisons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à ses pieds devant, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignage. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer. Prenons maintenant Apocalypse 3. Du 14e au 22e verset. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, ou le premier de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Enfin, Apocalypse 22, du 12e au 17e verset. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement
et la faim. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Le sujet, Adjili, l'avions introduit déjà le mercredi, nous parlons des investissements. Les investissements. Nous avons pris un message du prophète. Il avait prêché le 24 novembre 1962. Les investissements. Je crois que tout le monde a été attentif à la lecture de la parole. Nous voyons ce jeune homme riche. Il était déjà riche. Il devait être un croyant. Il devait être religieux. Il est venu à Jésus. Il lui dit, bon maître, que puis-je faire pour hériter? Pour avoir la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère. Ne dérobe pas. Ne commets pas adultère. Ne dis pas de faux témoignages. Jésus lui a cité les commandements. Et ce garçon dit, maître, depuis ma jeunesse, depuis ma tendre enfance, ma tendre jeunesse, j'ai obéi, j'ai appliqué ça. Et la Bible dit, Jésus le regarda. Il fit quoi? Il l'aima. Jésus l'a aimé. Il connaissait les commandements. Il appliquait, il pratiquait ça. Mais malgré qu'il connaissait les commandements, malgré qu'il mettait cela en pratique, mais il sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose. Amen. 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 Connaître les commandements. Connaître les messages. Le connaître intellectuellement, c'est une chose. Mais avoir la vie éternelle, c'est une autre chose. Et c'est la chose la plus importante. Ce jeune homme était là. Il était bien conduit. Frère Banab dit que Dieu désigne ses enfants, appelle ses enfants les brebis, les agneaux. Amen. Amen. Les agneaux et les brebis. Anaïta va kondo na bana kondo. Les brebis et leurs agneaux et les agneaux. Makondo na batotoyab. Et il dit, Anasem, pourquoi est-ce que Dieu identifie ses enfants aux brebis? Dieu nini Mungu eko na linganisha anatambulisha batoto yake na kondo. C'est parce que il nous a créés pour que nous soyons toujours conduits. Une brebis doit toujours être conduite. Si une brebis n'a pas de berger, elle va s'égarer. Elle a été créée. Amen. Amen. Pour suivre un conducteur. Alors, frère madame dit, tout le monde, tout homme qui vit dans ce monde,
a toujours besoin d'un conducteur. Quand vous naissez, vous êtes un bébé. On devait vous conduire. C'est la maman qui assume cette responsabilité. Qui a cette tâche de vous conduire. Vous apprendre à faire les tout premiers pas. Comment marcher. C'est la maman. Appelez papa, maman, tout ça. C'est la maman qui est baba, kuita mama, kufanya bile byote, ni mama njota kufundisha. Vous grandissez un peu. On a combien kidogo? 4 ans, 5 ans. Miaka ine, miaka tano. La maman peut vous confier à une maîtresse, à la gardienne là-bas. Mama, à la crèche, maman, on garde les enfants. Peut-être la maman travaille, elle va à la crèche. Ça zine mama, eko na tumika, anenda kupere ku crèche. J'ai vu se développer dans beaucoup d'autres pays. Mais non, on a inchi à mingi, mais pas d'Afrique. Mais aux États-Unis, attaque en Afrique, kusini, ku Amérique. Et ces gens-là gagnent beaucoup. Ceux qui gardent les enfants, la crèche, c'est-à-dire que les enfants qui on les garde, peut-être la maman travaille, et l'enfant peut avoir 2 ans. Na balé balé on va la crèche. Manafanya ile crèche usema mama iko natumika na namuna kuchunga batoto bali batoto ya miaka 2 miaka 3 wanaenda kubaacha kule. Eh, les dames qui s'occupent de ces enfants là sont mieux payées. Na bale banamuke bebe wanashughulikia bale batoto bebe wanalipwa vizuri. Des toilettes des enfants. Bona bona na kisha batoto bai. Comment chanter, comment jouer. Batoto namuna kuimba. Et jouer avec les enfants. Bebe wanacheza na batoto. Amen. Donc il faut toujours un conducteur. Inabidi paka muongozi. Après cette étape, c'est le papa. Baba sas. Et on ne fait pas ça. Aba fayake. On mange, et on ne parle pas en mangeant. Aba semake kama unakula. Mange avec les enfants. On a kula na batoto. Et le papa donne la discipline. Baba et on a leta madibishu. Amen. Amen. À un certain âge, il vous confie à un maître, un enseignant. On vous enseigne. Comment est-ce qu'il faut apprendre? Comment il faut aborder la vie? Si vous voulez devenir un mécanicien, comment on arrange? Les véhicules. Vous voulez devenir un ingénieur? Vous voulez devenir un médecin? Vous apprenez toutes ces choses. Amen. Amen. C'est pour la vie ici sur la terre. Vous quittez ça. Après cette étape, vous devez aller à l'église. Amen. Amen. Le prêtre est là pour vous enseigner. Padre, le pasteur. Le pasteur est là. Pastor, il vous enseigne. Anakufundisha. Les commandements. Maam. Comment craindre Dieu. Namuna. Et le pasteur. Na pastor, doit vous amener à la nouvelle naissance. Na et c'est lui qui donne la nouvelle naissance. Na qui donne le Saint-Esprit. Une fois vous avez le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous êtes toujours conduit. C'est ce que frère Anam dit. Alors il parle de ce jeune homme. Dans le message être conduit. Il dit d'abord ceci. Il a prêché ce message à 2 endroits et dans des dates différentes. En 65, il a prêché ça à 2 endroits. D'abord, le 7 décembre. Donc d'abord, c'était le 31 octobre. Oui, le 31 octobre, 1965. Le 7 décembre, j'ai amené les deux messages. Frère Banab dit, au paragraphe 18, dans celui du 7 décembre 1965, Dieu nous a comparé à des brebis. Et si quelqu'un s'y connaît dans l'élevage des brebis, et dans la nature des brebis, vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin toute seule. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Qui croit qu'il est une brebis? Que Dieu vous bénisse. Qui croit qu'il est un bouc? Mais celui qui n'a pas levé la main, c'est un bouc. Quand je demandais quoi qu'il est bébé, mais tu es un bouc.
Suivez ce que frère Manam dit. Alors il dit, Anasem. Et si quelqu'un s'y connaît dans l'élevage des brebis, et dans la nature des brebis, et bien vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin toute seule. Il faut qu'on la conduise. Même dans les abattoirs. Nous voyons qu'on amène la brebis là. Et c'est un bouc qui l'a conduit sur le lieu d'abattage. Même parmi les gens, c'est un enfant de Dieu et une brebis. Au milieu ici, il y a des boucs qui vous montrent un autre chemin. Et vous allez à l'abattage, vous allez mourir. Amen. Pour abattre les brebis, on envoie un bouc pour les conduire à l'abattage. Et un bouc l'a conduit jusque-là. Et quand les boucs arrivent au bout du couloir, il saute dehors. Et les brebis tombent dans des pièges. Et se font abattre. Faites attention. Qui est-ce que vous suivez toujours? Votre ami là. Est-il aussi une brebis comme toi? Si vous tous vous êtes des brebis, vous devez avoir un berger. On n'a pas chacun un mouchungaji. Amen. 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 Mais qui est celui-là qui te dit autre chose? Ça, ni nani ulego na kwambia wewe bitu bingi. Qui te montre une autre voie? Yana kuonesha wewe njia hii. Différente de celle que le berger t'a montré. Yenye njia na achana na ile mwongoe mchungaji wako alikuonesha. C'est un bouc. Ule ni bebere. Où est-ce qu'il t'amène? À la kupeleka wapi? À l'abattage. Ego na kupeleka baka kuchinje. Tu vas mourir. Utakufa. Amen. Amen. Quand il arrive au couloir, il t'a ah, bien faisons. Il arrive quelque part, lui saute. Et là, me pèlerin, tu es né, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a look. Toi, tu restes là-bas. On a baqué à sa safale. Tu ne sais plus où aller. Ah oui, tu es dans le tenda, on vient t'abattre. Il dit, quand il arrive au bout du couloir, il saute en dehors. Et la brebis continue tout droit à l'abattage. Donc, Kumbe, nous voyons qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin tout seul. Amen. 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 Suivez maintenant. Il nous dit ceci. Au paragraphe 95 dans le même message, au 95, il dit, eh bien, c'est pareil maintenant. À cause de nos mauvaises voies, donc là, il est en train de donner l'exemple de Jésus qui s'est identifié à la colombe et ses enfants à un agneau, à une brebis. Il parle d'un message qu'il avait prêché, l'agneau et la colombe. C'est la colombe qui conduit l'agneau. Parce qu'ils ont la même nature. Dieu s'est identifié à la colombe. Quand Jésus était au Jourdain, quand il fut rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Sous quelle forme? Sous la forme d'une colombe. Et lui, Jésus, on l'appelait la. Voici, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. C'était un agneau. Et la colombe a conduit l'agneau. Amen. 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 Ça, je suis en train de gagner un peu le temps. Alors c'est pourquoi je saute un peu. Paragraphe 94, si vous avez dit, Jésus a été représenté comme un agneau. Yesu a dit, tambulisha kama mwana kondo. Amen. Amen. Et Dieu, le Saint-Esprit, était représenté sous forme de la colombe. Par la colombe. Il dit, cette colombe n'aurait jamais pu descendre sur un autre genre d'animal.
Parce qu'il fallait que les deux aient la même nature. Si la colombe s'était posée sur un loup, et que celui-ci s'était mis à grogner ou à gronder, la colombe s'en serait envolée. Et bien c'est pareil maintenant. À cause de mauvaises voix, le Saint-Esprit s'envole. Il s'en va. Il faut que ce soit la même nature. Amen. Amen. L'oiseau des cieux, l'animal le plus doux sur la terre, c'est l'agneau. Il peut s'accorder. Et quand le Saint-Esprit vient sur vous, et il fait de vous de nouvelles créatures, alors il peut vous conduire. Mais si nous essayons de mener le même genre de vie qu'avant, ça ne marchera pas. Et maintenant, ça, probablement que le premier pas que vous avez fait dans votre vie, il est à toi et à quoi en zéro de faire mes chaînes. En parlant d'être conduit, vous l'avez fait probablement en tenant les mains d'une gentille maman. C'est votre maman. Ses mains sont peut-être immobiles. Non, maintenant, elles sont peut-être immobiles dans la tombe. Peut-être elles sont déjà mortes. Ce soir, peut-être elle est quelque part là dans un cimetière. Et cette main qui vous a tenu pour vous faire vos premiers pas, vous permettre de faire vos premiers pas, oui, après que maman vous a appris à marcher, vous faisiez quelques pas et vous tombiez, vous vous releviez et vous pensiez que vous faisiez là des grandes choses. Ensuite, elle vous a confié à la maîtresse d'école. Elle a commencé à vous conduire pour que vous ayez de l'instruction. Comment il faut faire, ce qu'il faut faire et qu'il faut apprendre. Et ainsi de suite. Puis, après la maîtresse de l'école, après que la maîtresse de l'école ait terminé son travail, alors vous êtes revenu. On a redit, et c'est votre père qui vous a appris, qui vous a pris en main. Et quand votre père vous a pris en main, il vous a peut-être appris votre métier. Comment être un homme d'affaires? Comment être un homme d'affaires prospère? Comment faire les choses correctement? Il y a des parents qui entraînent leurs enfants. Il fait une activité. Il entraîne son enfant. C'est un commerçant. Il entraîne son enfant dans le commerce. Yes, zingine, il y a même des parents que j'ai vus. Des médecins. Des médecins. Banganga. Comme le pasteur Chikong. Comme le pasteur Chikong. Il a entraîné aussi son enfant. Il est médecin. Sam, présentement, il est en train de travailler avec son père dans leur polyclinique. Sam a passé à Eurotumika na babayaki ko hospitalia. Il a épousé encore une femme médecin aussi. Akao atena mwanamke munganga tena. Il travaille là-bas. Eurotumika na école. Donc c'est une bonne chose. Vous voyez, le papa peut apprendre aussi un métier à son enfant. On a sema baba na anaweza kufundisha mtoto wake kazi. Le travail qu'il fait là. Il est kazi qu'on a fait. Nous en avons ici beaucoup. Les hommes d'affaires, les commerçants, les frères Pibwa qui travaille avec son fils. Gérant. J'encourage, ça c'est une bonne chose. Mais non, na fonda jaza moi quand ça bon équipe. Je vois le frère Jean Mutumba. Non, na ndugu Jean Mutumba. Travaille avec son fils. Et on a tout mis à notre tête. Je vois le frère FM Famba Eli. Non, na ndugu FM Famba Eli. Donc c'est une bonne chose. Il est l'équipe Kizuri. Je ramène ça ici. Na leta ayo kui. Amen. Amen. C'est frère Balon qui en parle. Na ndugu na mjo na isere. Si vous étiez distrait, comme vous cherchez. Entraînez aussi vos enfants dans le travail. Vous fondissez pas toto et nous mukazi. Amen. Amen. C'est une bonne chose. Alors il continue. Anendele. Frère Madame dit, alors, votre père, Baba Yak, qu'est-ce qu'il fait? Anafanim. Il dit, Anasem. Et quand votre père vous a pris en main,
Il vous a peut-être appris votre métier. Comment être un homme d'affaires prospère. Comment faire les choses correctement. Votre mère vous a appris à être une ménagère. À cuisiner. Puis après qu'ils ont terminé leur travail. Et puis c'est votre ministre, votre pasteur, votre prêtre. Mais maintenant. Qui est-ce qui vous conduit maintenant? Voilà maintenant la question. Or ce soir, nous sommes tous conduits par quelque chose. Il le faut. Nous sommes conduits. Maintenant regardons ce jeune homme. Ce qu'il avait influencé. Ce jeune homme d'affaires. L'histoire dont nous sommes en train de parler. La lecture que nous avons faite. Dans Marc 10. Il dit, c'est un jeune homme d'affaires. Comme nous pourrions l'appeler. Parce que c'était un homme d'affaires. C'était un homme qui avait bien réussi. Il dit, regardons ses conducteurs. Peut-être que premièrement, sa mère lui avait enseigné. Quand il était tout petit. Les choses qu'il devait faire. Puis son père a fait de lui quelqu'un qui avait réussi. Amen. Amen. Et il lui a laissé un héritage. Son père lui a laissé un héritage. Puisqu'il était lui-même un dirigeant. Peut-être que son père était parti. Donc il était un homme d'affaires. Appelons-le aujourd'hui comme ça. Un homme d'affaires. Il dit, appelons-le aujourd'hui, disons, un homme d'affaires chrétien. Il est un homme d'affaires religieux. Je pense qu'il serait plus approprié de le dire comme ça. Un homme d'affaires chrétien. Alors, cet homme était religieux. Amen. Amen. Il était religieux. Là, je lis les prophètes. Parce que j'ai fait des commentaires, vous pouvez penser que je parle de quelqu'un, tout ça. Cet homme était religieux. Il n'est absolument pas un incrédule. Sa mère lui avait appris à faire ce qui est bien. Sa mère lui avait appris à marcher. Elle lui avait appris à s'habiller. Son père lui avait appris à monter une grande entreprise. Et comment être un homme prospère. Et son affaire marchait bien. Son père et sa mère avaient été élevés dans l'église. Et l'avaient dirigé vers le pasteur. Vers le prêtre. Et le pasteur. Pastori, ou le prêtre wala padri, avait fait de lui un homme très religieux. Par conséquent, c'était un homme très cultivé. C'était un brave garçon qui avait un bon caractère. Si Jésus, en le regardant, l'a aimé, kama Yesu mukumwangalia alimupenda. C'est qu'il y avait quelque chose d'authentique dans ce garçon. C'est vrai. Car la Bible dit ceci. C'est ce que nous voyons dans Marc. Ce que nous voyons, ce que nous avons lu là. Jésus l'a regardé. Et l'aima. Oui. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Donc, il devait y avoir quelque chose qui est vraiment remarquable. Ce jeune homme. Amen. Amen. Il avait un bon caractère. Il était apprécié des gens pour son caractère. C'était un homme qui avait été bien élevé. Il était intelligent, habile, intellectuel, prospère dans les affaires. C'était un homme religieux. Il avait beaucoup de bons côtés qui étaient remarquables. À tel point que cela a attiré l'attention de Jésus-Christ, le Sauveur.
Mokozi. Mais quand il a été confronté, voilà les problèmes maintenant. Il avait des grands biens. Il était religieux. Il venait à l'église. Il payait la dîme. Il le contribuait pour la construction de l'église. Quand Frère Branham explique ça, c'est comme si ce que nous vivons ici. Il le faisait. C'est très bien. Mais malgré tout ce qu'il avait, une bonne éducation, un bon caractère, et il a été bien éduqué, mais seulement il n'avait pas la vie éternelle. Il était religieux, il n'avait pas le Saint-Esprit. Alors il rencontre Jésus. Parce que lui-même sentait qu'il lui manquait quelque chose. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne saurez. Amen. Amen. Si vous êtes sincère, vous allez le saurez. Il est allé à Jésus. Akaenda ya Yesu. Bon maître, mwalimu mwema. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Amen. Si je lui ai dit, mais tu connais les commandements? Tu connais la parole? Si tu me posais la question, qu'est-ce que je vais faire? Pastor, je n'ai pas le Saint-Esprit. Oh, ce que tu dois faire, répands-toi. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme ton Seigneur se veut personnel. Répands-toi. Amen. Amen. Confesse tes péchés, repens-toi de la mauvaise vie que tu fais. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur se veut personnellement. Prends le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alors Dieu va te donner le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, mais j'ai fait tout ça. Je me suis répandu. Alitubu. Ça fait 5 ans que je suis dans l'église. J'ai réparé mes fautes. Je me suis humilié. Je suis baptisé au nom du Saint-Jésus. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Alors il regarde dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Va maintenant. Va vendre tout ce que tu as. Et puis il revient. Et suis-moi. C'est ce que Jésus a dit à l'enfant. Je qu'il est sur la mieux le qui a. Ça n'est pas bien. Allez pas. Mien de nikaujish. Non. Apan. Quand il est parti, triste. Wakat alenda moyo kusikiti. Jésus a dit. Yeso kasem. Voyez. Monon. Voyez. Monaona. Il est très difficile. Iko nguvu sana. À ceux qui ont de bien. Kwa bale bekwa na mali. D'entrer dans le royaume de Dieu. Ya boku nyamu falme wa Mungu. Et facile à être chabot. Il est passé par les trous d'une aiguille. Kwangami a pitié que tout le shindano. Les disciples sont détruits. Ah, bateau de Bakashanga. Et c'est possible ça. Ni nawezekana hili. Ah, ah. J'aime la précision de notre Seigneur. Mina penda ili akikisha bwana wetu Yesu Kristo. Prenons Marc 16 et Marc 10. Tu bébé ni Marc 10. Le verset 24, suivez ce qu'il dit là. Utara makumi mbili na ine shikize nila nasema. Suivez attentivement. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Cette précision est importante. On peut avoir les richesses, mais ne pas se confier dans ces richesses. Je vais attirer votre attention. Parce que quelqu'un peut croire que c'est dirigé vers les gens qui ont quelques biens. Tu peux ne pas avoir les biens. Tu peux ne pas avoir les biens. Tu peux ne pas avoir les biens. Tu as un petit, tu n'as rien. Mais tu te confies à autre chose qu'à Dieu. Tu es comme ces jeunes hommes. Mais tu peux avoir les richesses. Mais plutôt que de te confier dans ces richesses. Mais toi, tu te confies en Dieu. C'est ça qu'il faut. Je vais vous lire les prophètes. Je vais vous lire cela. Cette précision est importante. Suivez un peu ce que Frère Branham dit. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, il nous dit qu'un homme, si vous devez être riche, pour Dieu, Dieu à Mungu, qui est riche? De
devant Dieu qui est riche. Parce que devant nous les hommes, Dieu est riche parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a une entreprise, il a des villas. À nos yeux, c'est celui-là qui est riche. Mais aux yeux de Dieu, ça, ça mêle à Mungu. Qui est riche? Celui qui est riche, c'est celui qui a Dieu en lui. Amen, amen, amen. Amen. Suivez dans exposé de cet âge de l'Église. Ce qui disait à la page 113, nous allons lire aussi la première partie de la page 114. C'est presque au bas de la page. Suivez ce que Frère Branham dit. Et aujourd'hui, ce n'est pas aussi vrai. Car l'âge de l'Odyssée est un âge de grande richesse où l'on se fie à l'abondance des biens. On se fie, on se confie à l'abondance des biens. On se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger du niveau spirituel. Oh, comme l'Église est riche de biens. Oh, ça veut dire qu'elle est telle normale. Mais comme elle est pauvre en esprit. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais pauvre là, c'est quelle pauvreté? Pauvre en esprit. Vous allez suivre. C'est pauvre en esprit. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu n'est pas matériel. Est-ce que je peux entendre les amens là-bas? Dites encore grandement amen. Dites encore amen. Pour réveiller ceux qui dorment. Le royaume de Dieu n'est pas matériel. Je sais qu'il fait chaud, c'est la période de la chaleur. C'est pourquoi, comme à la fin de la réunion, Dieu voulant va souscrire, nous avions promis de souscrire aujourd'hui. C'est prévu de mettre les, comment vous appelez ça, les aspirateurs. Ce sont les aspirateurs. Ouais. Pour enlever, pour faire sortir la chaleur. Nous avions nos ventilateurs, maintenant c'est très haut, on ne sait pas où est-ce qu'on peut les mettre. C'est la période du fait chaud. Mais c'est un sacrifice. Frère Branham, quand il disait dans l'antan, il prêchait, il dit, ah, il fait chaud. Pour un sacrifice. Mais en enfer, il fera plus chaud que ça. Qui a déjà entendu Frère Branham dire? Il faut supporter cette chaleur. Pour montrer qu'on aime Dieu, même écouter ce qu'il dit. Dans 20 minutes, je vais arrêter. Parce que j'ai dit que je vais parler pendant une heure. Alors suivez. Suivez attentivement la partie. Il faut suivre et retenir quelque chose. Frère Branham, ne donnez pas les titres pour les donner. C'est très important. Les investissements. Amen. Amen. Suivez-moi. Alors il dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Il n'est pas matériel. Il est en vous, il est en nous. C'est de Dieu qu'un homme est riche. Je suis riche de Dieu. Niko mutajiri na Mungu. Je suis riche du Saint-Esprit. Niko mutajiri na Roho Mtakatifu. Pas des choses du monde. Hapana vitu vya dunia. Mais de Dieu. Lakini Mungu. Oh! Oh! Crie l'Esprit. Alalamika Roho. Je vois votre pauvreté. Je vois votre besoin. Vous n'avez pas de grandes choses. Si même vous avez quelque chose, dont vous puissiez vous vanter, c'est que vous aviez, vous a été ôté.
abandonné avec joie ce que vous avez. Vous avez abandonné avec joie ce que vous possédiez en échange. En échange des possessions éternelles. On se moque de vous. On vous méprise. Vous n'avez pas de ressources matérielles sur lesquelles vous rabattre. Mais malgré tout, vous êtes riche. Vous êtes riche. Votre sécurité se trouve en celui qui est votre bouclier et qui est votre très grande récompense. Votre royaume doit encore venir. Mais il viendra. Et ce sera un royaume qui durera toujours. Oui. Je prête attention à vos épreuves. Ça c'est Dieu. Je prête attention à vos épreuves. Et à vos malheurs. Je sais combien il est dur de continuer. Je me souviendrai de tout cela quand je reviendrai. Quand je reviendrai vous prendre, vous revendiquer comme étant les miens. Alors je vous récompenserai. Il dit, il vient avec quoi? Avec sa rétribution. Nous avons lu dans Apocalypse 22. Dieu maintenant. Or ceci ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit contre les gens qui sont riches. En effet, Dieu peut sauver un riche. Et il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Dites grandement Amen. Dites grandement Amen. 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 Jésus avait dit, il sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer. Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Et le riche là, nous avons eu la précision, ce sont ceux qui se confient dans les riches. Et les apôtres ont posé la question. Seigneur, qui peut alors être sauvé? Il dit, cela est impossible à l'homme. Même si tu n'es pas riche, par toi-même tu ne peux pas être sauvé. C'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Qui sauve? Qui sauve? Je veux bien entendre, qui sauve? C'est Dieu qui sauve. C'est pourquoi il dit ici dans l'exposé, Dieu Mungu sauve aussi les riches. Et parmi ses enfants, il y a des riches. Mais il faut dire Amen. C'est un Dieu de variété. Il appelle ses enfants dans toutes les catégories. Il dit, Dieu peut sauver un riche. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Suivez maintenant. Mais l'argent peut être un piège non seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. C'est très important. L'argent là, il est frangaï. C'est un mauvais maître. Ni walimu mubaye. C'est un piège. Pour ceux qui ont de l'argent, ils font n'importe quoi avec cet argent. Ils se prostituent avec cet argent. Amen. Amen. Ils peuvent payer les bandits et faire des histoires mauvaises avec leur argent. Na frangaya boy. Mais c'est aussi un piège pour celui qui n'a pas d'argent. Peut-être on le met quelque part pour gérer. Il vole cet argent. Anaïba et les francs. C'est un piège. Même celui qui n'en a pas. Franc, ni muteko tena kwaki. Celui qui n'en a pas. Ule moyana na franc. Il est haineux. Il est jaloux. Eko na chuki. Eko na buivu. Pourquoi il est jaloux?
Dieu n'en a bouive. Parce qu'il n'en a pas. Parce que bon, il n'aime pas ce qui aime. A chipen de balle, ben yébé qu'on a franc. Il le regarde d'un mauvais œil. Il parle mal à la vie. Quand vous suivez, c'est quoi? Quand on a fait, on a fait un nini. Il est jaloux. Et on a bouive. C'est un piège. Ni mouteko. Et pour celui qui en a. Iko mouteko kaoule kona franga. Et pour celui qui n'en a. Mouteko kaoule mwenyana nayo. Donc il ne faut pas se confier à l'argent. A pana kutegeme a franga. L'argent n'est pas tout. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça le bonheur. Il n'a pas maïsha. Il n'a pas maïl. Amen. Amen. Au premier ange déjà. Il dit, mais l'argent peut être un piège. Anasema franga neza kwa mouteko. Non seulement pour ceux qui en ont. Aina. Mais pour ceux qui n'en ont pas, au premier âge déjà, Jacques dans la Bible disait, il criait contre ceux qui faisaient cas des riches. N'ayez pas foi de notre Seigneur Jésus-Christ en faisant exception des personnes. Là, les pauvres essayaient de passer de la pommade aux riches pour qu'il les aide. Ça, ça va maskini. Bego naenda na pakala ba batajiri mafuta tu baba saidi. Tu deviens même mendiant. On a quoi attendre au Kalombo? Comme tu n'en as pas. Ça veut la una. Tu deviens mendiant. On a quoi au Kalombo? Tu fais même ce qu'on ne peut pas faire. On a zako fanya na bila boyi zako fanya. Les pauvres essayaient de passer de la pommade aux riches pour qu'ils les aident. On a bembeleza baba watajiri tu baba saidi. Au lieu de se confier en Dieu. Bali pabo kutegemea Mungu. Il dit ne le faites pas. Anasema mushifanye vile. Un enfant de Dieu n'est pas un mendiant. Mtoto wa Mungu ana wa kulomba. Faut travailler. Inabidi kutumika. Vous pouvez solliciter une aide. On a kulomba kwa msaada. Votre frère vous demande de l'aide. Oui, kama ndugu yako anataka kulomba msaada. Tu te crois quelque chose. Wewe unazania sema uko kitu fulani. Tu n'es rien. Hauna kitu. Aidez un enfant de Dieu. Saidia mtoto wa Mungu. C'est Dieu qui vous a donné ça. Ni Mungu ndiye anakupatia ile franga. Je peux souffler. Mungu anaweza kupuliza hayo. Tu peux avoir beaucoup. Unaweza kuwa na biamini. Un jour ça peut disparaître. Ushiku moya tu biote bipote. Et si ça ne disparaît pas. Na kama bipote. Il peut même prendre sa votre vie. Paf. Anaweza kubeba tu maisha ya uzima wako. Unaishi. Je vais vous lire ça. Dans Luc 12, Muluka 12. Frère Banam dit, quand ce jeune homme a refusé l'offre de Jésus, wakati Yesu alikana alikatala ile aliko ya Yesu, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a refusé. Akupokea Roho Mtakatifu akakatala. C'est comme tu peux refuser les réunions de prière pour le Saint. Iko savile unaweza kukatala hivi kusadika maombi ya Roho Mtakatifu. Unakatala ile aliko. Quand il est parti, wakati alienda, Frère Banam dit, il a prospéré. Alistawi kabisa nguvu. Il a beaucoup prospéré. Akastawi sana. Il pouvait dire ah. Akaripasha sana. Je pensais que si je ne manque le Saint-Esprit ça hein. Il nezana sama kama kabisa roho takatifu. Nitafuta kupoteza mali. Mais sans Saint-Esprit je prospère toujours. Hata kama vile sina roho takatifu mimi naona sana stawi kabisa. Il a prospéré. Alistawi. Dans Luc 12, Muluka 12, il a regardé mais là c'est grigné. Akaangalia sasa mali yake, mama makala yake. Il a d'abord regardé ses champs. Akaangalia mes mashamba. Je n'ai pas regardé ces choses. Shina na bitu vya kudweka hivi vitu. Je vais les mettre. Tabiweka wapi? Je vais détruire les grigné, les agrandir. Mie hii mama kala yote mimi nitaivunja kisha ninenepesha. Mon âme repose en paix. Nafsi yangu tulia kimya. Je vais me reposer. Après ça, ça les années là qui vont venir. J'ai déjà investi. J'ai préparé ma vieillesse. Toi qui te confies dans les biens. Ce sont les biens qui vont assurer ta vieillesse. Travaillez. Tumik. Investissez. Na, préparez votre bien, ce n'est pas mauvais. Lakini. Investissez aussi au ciel. Ne vous confiez pas dans ces richesses. Vous travaillez, c'est bien. On a tumika ni mzuri. Soyez aussi un trésor au ciel. Lakini kwa tena na hazina mbinguni. Tu as une maison, tu as une maison. Uko na nyumba, uko na nyumba, uko na nyumba. Est-ce que tu as une maison? Eti mbinguni una nyumba. Je vais lire le prophète. Tasoma nabii. Il en parle. Tena isema. Il donne l'histoire d'un ami. Analeta habari analeta hadithi ya rafiki yake. L'autre a présenté. Regarde bien. Akaambia kwa rafiki yake sema, "Hii ni mimi. Cette banque là, hii banki ni yangu. Ile ni yangu, ile ni yangu. Ile ni yangu. Hii j'ai des affaires là-bas. J'ai des actions là-bas. Mimi na affaires, mimi nafanya, mimi natumika na bale, natumika na bale." Et maintenant? Sasa. Et là? Sasa huko. Et là-bas, kule le yulu. Est-ce qu'il y a là-bas? Kule yulu kunako.
Le titre ce n'est pas NBC, les investissements. Je voudrais que vous compreniez. Investissez. C'est une bonne chose. Achetez des maisons. Ayez des biens. C'est bien. Ayez aussi des trésors. D'ailleurs, commencez par avoir le trésor au ciel. C'est ce que Jésus dit. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses là, vous seront données ensuite. Comme ça, même si les biens sont là, tu te confies en Dieu. Oui, on a été aimé si amour. Je meurs, je vais dans ma maison céleste. Si je voyage, je vais dans la maison qui est là-bas. Si je vais là-bas, ce sont les investissements dont je vous parle. C'est ça l'objectif. Je ne décourage pas le travail. Mais, la chose importante, pour laquelle nous allons même prier pendant la semaine. Le trésor aussi. Commencez d'abord par ça. Les autres là, vous en aurez. Vous en avez déjà. Mais ayez là-bas. Si vous comprenez, dites grandement amen. Dites encore amen. Dites amen de manière à chasser les démons. Amen. 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 Oh. Frère Madame dit, ne soyez pas des mendiants. Comme tu connais que le frère là est riche, tout ce qu'il dit c'est la vérité. Même s'il a tort. Non, seulement comme lui a dit là. Pas n'ayez pas une telle attitude. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous devenez mendiant. On a quoi? Oh, si je vis, c'est grâce à ce frère-là. Mais quand même, on a fait le ndoukou ni bongo. Si je suis marié aussi, c'est grâce à ce frère. Quand même, on a fait le ndoukou. C'est bien, il avait voulu donner l'argent pour le mariage. Mais qui avait touché son cœur? Ça n'a pas été touché. C'est Dieu. Ni mungu. Donc, voyons Dieu d'abord. Belle, toi, minye ni mungu. Même si on fait quelque chose de bien dans ta vie, c'est Dieu, c'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Vous êtes nombreux, il y a des chômeurs, mais lui dort, il pense à toi. Monsieur frère, j'ai un travail ici, je cherche un gérant. Ou bien pasteur, cherche-moi un gérant. Le pasteur aussi a beaucoup de croyants, beaucoup de chômeurs. Amen. Amen. Mais qui? Mon frère cherche un gérant. 3-4 noirs. Et de ces trois-là, on va engager un seul. Pourquoi les choix tombent sur toi? Donc, je vais détourner votre attention, votre conscience dans l'homme pour que vous la placiez en Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Maudit est cet homme qui se confie dans l'homme. C'est la parole de Dieu. Si ton frère a fait quelque chose, j'aime parfois, j'ai toujours apprécié les serviteurs de Dieu et les pasteurs quand je leur accorde parfois la chair. La chair dans une église appartient au pasteur. Mais ils disent bien. Je remercie le Seigneur qui m'a accordé cet homme. Je remercie aussi les pasteurs. Parce que si le Seigneur n'avait pas mis cela dans mon cœur, je n'allais pas te donner la chance. Donc tout ça c'est Dieu. Voyez Dieu. Dieu d'abord, le reste après. C'est ça. Les investissements. C'est au pluriel. Investissez au ciel. Et investissez aussi sur la terre. Mais l'investissement le plus important, c'est lui qui est céleste. Amen, 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 amen. Parce que si Dieu est pour toi, frère,
Donc, qui peut être contre toi? Or, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens sont fanfarons, égoïstes, ennemis des gens et bien. Les gens qui font le bien, ennemis. Il y en aura qui seront traîtres, cruels. Et c'est dans ce monde que nous vivons. Dieu peut t'avoir béni avec les biens matériels. Mais tu ne seras pas en sécurité avec tes biens si Dieu ne les sécurise pas. Il faut avoir l'assurance bénie. Comment ça presse là? Ma voiture n'a pas d'assurance. Il faut que j'ai l'assurance. Si ça connaît un accident, il faut que j'ai l'assurance. Est-ce que tu as assuré aussi ta vie? Cette assurance là, il est assurance. C'est le Saint-Esprit dans ta vie. Quand le Saint-Esprit vient, il assure même tes biens. Voyez Job. Le cas de Job. Les anges sont allés devant Dieu. Même Satan. Dieu a demandé à Satan. Dieu, d'où viens-tu? Je viens de me promener. Je viens de la terre. À qui vit mon serviteur Job? Il est fidèle dans toute ma maison. Mais oui, je l'ai vu. Il est fidèle. Il est juste. Ah, c'est parce que tu l'as protégé. Donc Satan sait que Dieu protège ses enfants. Et il ne pouvait pas toucher bien des gens, même pas à ses enfants, tant que Dieu n'avait pas autorisé. C'est cet investissement-là que je vous propose. C'est cette assurance-là. Ayez cette vie. Vos enfants seront sécurisés. Vos biens seront sécurisés. Pour les toucher, les démons doivent avoir l'autorisation. Oh, que Dieu vous bénisse. J'arrête, il est temps. Levons-nous. Levons-nous. On verra la suite prochainement. Dans la prière. Mahom. Je suis
Des voix,
C'est une invitation, ni aliko. C'est un appel qui t'est adressé, ni wite le mungu anatuma. Si jusqu'à ce jour, bakama mpaka na leo, tu n'as jamais pris position pour la parole de Dieu. Awe abe baka nambo ya neno la mungu.
pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'occasion t'est accordée ce matin. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Et tu veux donner ta vie à Christ. Tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ. L'invitation t'est adressée. Si tu es là, si tu crois que c'est la vérité de l'évangile qui a été prêché, et tu veux donner ta vie à Christ, fais tu lever la main où tu es, et nous à tout le monde, fais tu lever la main, mais ça fait nous à nous connaître. Je ne vois pas très bien. Si on est musulman, alors venez ici, nous voulons l'ouvrir. On va prier pour vous. Rapidement, rapidement. On va prier pour Araka. Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Bénis cette parole dans nos âmes. Laisse que chacun de nous puisse avoir des investissements, avoir d'abord un trésor dans le ciel. Seigneur Jésus, aide chacun de nous, Seigneur, nous confier toujours à toi et non dans un homme. Car ta parole déclare maudit tout homme qui se confie dans l'homme. Seigneur Jésus, nous avons vu que l'argent est un piège. Et pour ceux qui en ont et pour ceux qui n'en ont pas. Aide-nous, Seigneur, à nous confier en toi, à préparer notre avenir, à investir dans ton royaume pour ainsi sécuriser notre vie, nos familles, nos biens, de nous avoir cette assurance vie. Ô Seigneur Jésus,
voici ces âmes qui ont répondu à l'appel. Tu connaissais bien ce jour. Et tu savais que c'est en ce jour que tu les as pleurés, Seigneur. Ils sont à toi. Je te le confie, Père. Que nous puissions s'affermir dans cette nouvelle voie. C'est une décision solennelle. Aide-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. De toutes les choses du monde. Qu'ils aient un véritable investissement dans ton royaume. Seigneur Jésus, bénis cette parole dans nos âmes. Et je crois que la puissance qui délivre et qui guérit a accompagné la prédication de ce matin. Je crois que ceux qui étaient malades sont guéris au nom de Jésus. Ceux qui étaient affligés sont consolés. Ceux qui avaient des problèmes, des difficultés, ont trouvé une consolation, Seigneur. Je tiens toutes les requêtes que tes enfants ont dans leur cœur devant toi, le grand spécialiste dans tous les cas difficiles. Accorde à chacun de nous, Seigneur, selon le besoin qu'il a, Seigneur, pour que notre joie soit parfaite et que ton nom soit toujours glorifié dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi. Aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.